soit Crépin, que ce soit l'ensemble de l'équipe, je suis très satisfait de la prestation de cet après-midi. Nous allons continuer à travailler. Donc, 2-0, c'est pas mal, mais je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on avait un plan, on avait une philosophie, on a voulu le mettre en place et j'ai envie de dire que ça nous a plutôt réussi. Dans ce système de 4-3-3, comme vous le savez, c'est un système qui est constitué de triangles. Et ce que j'avais demandé à Papalioun, c'est qu'il soit dans le plus complice avec le triangle du bas, c'est-à-dire avec Sané, Koulibaly et bien sûr Papalioun Diaye pour nous permettre de sortir les ballons. On l'a très bien fait en première période. En début de seconde période, ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils ont joué avec deux attaquants. Donc il a fallu qu'ils s'intercalent entre les deux axes pour pouvoir nous donner un peu plus la possibilité de sortir les ballons. C'est la raison qui a fait qu'il a été très proche. Donc ça c'est sur le plan offensif. Sur le plan défensif, c'est vrai qu'en mettant nos latéraux très haut, il fallait qu'il s'occupe de l'équilibre de l'équipe et c'est ce qu'il a su très bien faire. Prépin, il a beaucoup donné en première période. En deuxième période, il était un petit peu émoussé, un petit peu fatigué. Donc on a préféré apporter Alfred Diaye qui remplacerait Pape Alioune en tant que sentinelle et faire avancer Pape Alioune dans notre jeu. Il y a toujours des choses à régler, il y a toujours des choses à ajuster. Mais j'ai envie de dire que dans l'ensemble du match, on a fait quand même de très belles choses. Ce qui m'a un petit peu frustré, c'est par moments on a perdu des ballons un peu faciles. Peut-être que c'est dû à la pelouse, c'est dû au fait qu'on n'a pas su appuyer les passes. Mais en réalité, chaque fois qu'on a été juste techniquement, on a pu maîtriser, on a pu contrôler le match. Je pense que ça a été un match quasiment bien abouti. Maintenant, nous devons continuer à travailler. Il y a eu des erreurs qu'on a faites, il y a eu des pertes de balles aussi qu'on a faites, qui nous a mis un petit peu en difficulté. Donc ce sont ces petits détails-là qu'il faut effacer dans notre jeu. Si vous me posez la question sur Crépin Diatta, je dirais que c'est surtout l'équipe qui compte, l'équipe du Sénégal. Et aujourd'hui, on a vu une prestation collective quand même assez intéressante. Mais bon, comme je dis, nous allons continuer à travailler parce qu'à la CAN, il y a des erreurs que nous avons faites aujourd'hui, il faut les éviter. Parce que sinon, en face, peut-être qu'il y aura une équipe mieux outillée que Madagascar, on risque de les payer cash. Mais je crois que dans l'ensemble, je suis satisfait de mes garçons, de leur état d'esprit, du travail qu'ils ont accompli aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, il y a encore un match mardi. Ça sera un match plus compliqué que ce match d'aujourd'hui parce que le Mali, c'est très costaud. Ça nous permettra de donner du temps de jeu aux autres joueurs. Après 10 minutes, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, il y a un match mardi. J'ai choisi 25 jours pour pouvoir tous les faire jouer. Mardi, il y aura une autre composition d'équipe, donc je pense qu'il aura la chance de pouvoir débuter avec l'équipe du Sénégal. Mais c'est un garçon vraiment très intéressant et je pense que ça peut nous apporter quelque chose de bien. Qu'on vous pose tout le temps, notamment depuis une semaine, je vous ai toujours dit que l'ossature du groupe est là. Maintenant, comme vous le savez, dans le football, les choses vont vite. On est au mois de mars, fin mars. Il y a le mois d'avril, il y a le mois de mai qui va s'approcher aussi. D'ici là, j'espère que nos joueurs seront en forme et qu'il n'y aura pas de blessures. Mais j'ai envie de dire que l'ossature du groupe qui doit aller à la CAN est quand même là. Mais comme je vous le dis, dans le football, il y a beaucoup de choses. Il y a des malformes, il y a des blessures. Il y a aussi des révélations. Il y aura des joueurs peut-être qui vont exploser d'ici le mois de juin. Donc, on peut parier derrière, on ne peut pas parler de certitude dans le football. Rien n'est certain dans ce football-là. Mais je pense que nous travaillons depuis un bon bout de temps ensemble et que les garçons commencent à se retrouver, non seulement dans la vie de tous les jours, mais surtout, l'essentiel, c'est de se retrouver sur le terrain. Et ça, je pense qu'ils ont pu le faire aujourd'hui. Et je les félicite vraiment.